Le messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: commencez le jeûne de Ramadan lorsque vous aurez vu le croissant lunaire apparaître. Si vous ne le voyez pas, le cas où la visibilité n'est pas bonne, soit par les nuages ou bien par le brouillard, alors comptez le nombre de mois à 30 jours. S'il fait 30 jours, que vous avez vu la lune ou pas, entreprenez le jeûne. Ce qui sous-entend qu'il arrivera des morts, nous serons dans les périodes de doute. Donc nous sommes exactement dans cette période de doute actuellement. Le mois, soit il est 29, soit il est 30. De toute évidence, il n'est plus au 28e jour. Mais la tendance générale, c'est que nous sommes au 30e jour aujourd'hui. Donc si on voit le croissant lunaire, on jeûne. Mais si entre-temps, parce qu'à cause de la technologie avancée, l'Arabie Saoudite ne voit pas la lune aujourd'hui avec sa technologie, ce que nous sommes obligés d'attendre et entreprendre le jeûne le mercredi. Donc, soit le jeûne alors est pour demain mardi ou bien mercredi. Mais mardi est plus sûr que mercredi. Allah a dit dans le Saint-Coran, au chapitre 2, verset 183, « Je vous ai prescrit le jeûne comme je l'avais prescrit aux générations antérieures. Et par là, vous aurez la crainte d'Allah. » Donc, autrement dit, en termes de sens spirituel, lorsque nous jeûnons, celui qui a bien accompli le jeûne doit pouvoir semer en lui la crainte de son Seigneur, doit devenir un homme pieux. Voilà ce que le Coran confère, pardon, le jeûne confère au jeûneur. En amont du jeûne, il faut d'abord noter une chose. Tout musulman qui remplit les critères de jeûne doit forcément jeûner. Ça, c'est le premier comportement. C'est un devoir, c'est obligatoire d'entreprendre le jeûne lorsqu'on est musulman, on a l'âge de la puberté, on est en bonne santé et on a la capacité. Ça, le jeûne est obligatoire. Ça, c'est le premier comportement. Le deuxième comportement, toujours en amont, c'est la formulation de l'intention. L'intention vaut l'acte. Le messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: aucune œuvre n'est valable en dehors de l'intention. Et lui-même, il formule l'intention pour qu'il puisse entreprendre le jeûne et puisse terminer le jeûne en termes de 29 ou 30 jours. Donc nous devons formuler l'intention. Ça, c'est en amont. Mais pendant le jeûne, en dehors de l'aspect définition de ce jeûne, c'est-à-dire s'abstenir de boire, de manger et des rapports charnels, le jeûne va au-delà de ça. Quand on dit que je jeûne, ce n'est pas uniquement la bouche qui jeûne, c'est aussi la langue, c'est aussi les pieds, c'est aussi les yeux, c'est aussi les oreilles. C'est délicat. Alors ça, c'est un comportement que nous devons adopter. Maintenant, en aval, il y a un phénomène que je tiens à souligner, ça c'est très important. Le jeûne commence un peu avant l'aube et ça termine juste après le coucher du soleil. Mais au moment du coucher du soleil, on a encore la force physique. L'organisme reprouve sa force. Si bien qu'on n'a même plus envie de manger. Alors toi qui te donnes cette initiative, tu prends cette résolution-là, moi je vais montrer combien de fois je suis brave, je ne veux pas manger, ce n'est pas juste. Le messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu, il n'a pas fait ça. On mange le matin, on mange le soir. Donc se refuser de rompre le jeûne, ça, c'est pas bon, c'est pas un bon comportement en islam. Si c'est pour des raisons de santé, je prends par exemple, au cours du mois de Ramadan, il est malade pendant 10 jours. Le messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu, a dit: notre santé est primordiale. Il ne faut pas, à cause de l'adoration, que ta vie s'en aille. Donc, il faut cesser de jeûner et te soigner. Après Ramadan, les 10 jours de soins que tu as suivis, tu les rembourses avant le Ramadan prochain. Donc tu as 11 mois pour rembourser tes 10 jours de dette. Donc je ne peux qu'à souhaiter à Allah de nous permettre d'accomplir et tout ce qu'on aurait abattu comme bonne œuvre, que cela nous soit agréé.